Bokota, Bokota, Bokota. Rentrez, rentrez. Chez nous, comme on dit, il boit Ikeri. Chez nous, comme on dit, il boit Ikeri. Moi, c'est noir de cause de l'homme qui ne parle pas aux fesses. Dans l'esprit du village, quoi. Ah bah, non, tu zones, ça, quoi. Mais non, quoi. Le futur qui sont ça. Voilà le thé là. Moi je suis dans l'esprit du village. Moi je n'ai pas besoin de documents pour venir vous dire pas mal de choses. Allez-y. Rentrez d'abord, rentrez. Ikeri, Iba Ikeri. Moi c'est noir de cause. Quand je vous dis, je parle avec l'esprit du village. Ma kamboya vous zobabo oyo, bato oyo ba wela la avec pouvoir. Eko simbate, eko simbate. Voilà où tu es là. Maintenant tellement ton route là. Quand je vous regarde bien, je vous observe très 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 bien. Iba Bimba, Iba Ikeri. Eh bon vous t'avez ça quand vous vous gagnez le bio. T'as mon besoin ça là va comprendre la bino. Complot, on est mon coco. N'a pas de goni à Tayango à Wato Lobaki. Mais ça l'encore. Hein? A belle tu sais. Bene Valari. L'anda Buna Rattavalandi. Hein? L'anda Buna Rattavalandi. Bokota, Bokota, Bokota. Parce que, clique yo, vérité, gâteau, on va du gâteau, mon tata. Awana lutele monjira machine momolayele hein momu gatta milaka la saga makundu ku bandu bena vérité bulu se bakano ka sabakana no hein tu n'es comme il pleut je vais être vraiment concentré mon esprit du village indigène. Ya meno ka yuba ka meno ka kana ba ko tachi ma meno ko ko te sabaku ko te sabia ba soni ba yilama. Mais quand on a un monde, 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 mais on a un monde, 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 on a un monde. Mais nous avons fait un peu de temps. 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 Qui n'a jamais perdu une personne là-bas. Donc arrêtez. Ça se voit. Ça se voit les hommes qui deviennent violents, qui deviennent agressifs dans la diaspora, surtout sur Paris. Hein? Vous êtes pour les intérêts personnels. Écoutez, je vous le dis très bien. Il y a un proverbe qui dit pas de la vaut mieux pas avoir, je sais pas comment on dit ça, pas de la quantité mais que de la qualité, je sais pas, c'est comme ça je pense, vaut mieux avoir de la qualité que de la quantité. Donc aujourd'hui, moi aussi personnellement, je vous avais vu depuis longtemps. C'est pas pour rien que je vous avais prévenu. Faites très attention. Faites très attention. Le clip de Paris là, vous allez me retrouver. Vous allez voir, je vais me retrouver tout seul. Je suis venu voir, j'ai observé, je vous ai entendu. Je vous ai entendu, je vous ai observé. Faites très attention. Ce que je dis, c'est pas du n'importe quoi. Vous allez voir pas mal de choses que vous allez comprendre. Mi-2019, vous allez comprendre pas mal de choses. Et qu'on soit à la bine.
Donc aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, cette agressivité que vous avez, cette violence, ça se voit dans vos manières, dans vos parler, la façon que vous êtes en train d'exprimer, ça se voit que vous n'êtes pas comme ça, vous êtes devenus les aigris, ça se voit. Une personne qui est, dont l'esprit qui aime le peuple ne peut pas parler comme ça. Ne peut pas. La vérité, pourquoi ça vous blesse autant comme ça? Pourquoi cette vérité vous blesse autant comme ça, les frères? Soit disant vous êtes pour la paix. Soit disant. Beaucoup de gens là, même Koutou, même dans la diaspora, beaucoup de gens là, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Moi, je suis dans l'esprit du village, quand je parle, vous avez été dans l'Ondula Machini. Vous avez appelé là-bas. Hein? Je vous dis la vérité. Là, peut-être, je ne sais pas s'il va être d'accord. Si vous n'entendez plus général le Keteka, il a fait une vidéo. D'abord, il a posté sa photo avec Fayoulou. Et normalement, il a annoncé qu'il est du centre. Il allait parler le dimanche dernier. Le dimanche dernier, il est tombé. Hein? Je vous le dis. Hein? Il est tombé. Là, il vient juste de sortir de l'hôpital. Mais sans effet, parce que ça l'appelle le côté. Et aujourd'hui, toujours les radios trottoirs, Norma de Paris a parlé du centre. Et ne pensez pas Norma de Paris, quand vous l'histoire que vous parlez là, de Massamba Déba, le Massamba Déba. Allez voir les vidéos des autres. Hein? Quand on vous dit, il y a l'esprit du village qui règne, il y a l'esprit de Dieu qui règne, il y a l'esprit de tout puissant qui règne. C'est pour cela qu'on vous dit, même vous pouvez être même 100, même 2 personnes, mais vous êtes à 92%, vous n'arrivez même pas à dégager ce putain, soi-disant ce putain de Sassou. Mais arrêtez d'agresser le peuple. Arrêtez d'agresser un compatriote, arrêtez d'agresser les gens qui donnent leur avis. Avec vos cris-cris de merde. Mais moi, je vous l'avais déjà dit. Et je vous le dis toujours. Je suis petit et maigre. Sarkozy qui vous a tremblé là. Sarkozy, il est petit. Hein? Il est petit. Je vous le dis très bien. Moi, j'ai l'esprit. J'ai l'esprit. Et je vous vois. Je vous vois très bien. Je vous vois. C'est pas pour rien que je vous parle de Tatiana Mapingu. Quand je vous parle de Tatiana Mapingu, attendez, je vais être comme ça, je pense. Je vais essayer de pencher un peu. Voilà. Comme ça, là, je pense que vous allez bien me voir. Hein? Quand je vous parle de Tatiana Mapingu, je savais très bien pourquoi. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Donc aujourd'hui, ce que vous faites, ce que vous avez fait déjà, on vous a déjà prévenu. Personnellement, moi je vous avais déjà prévenu. Ce que vous êtes en train d'accuser, Massamba Déba, moi je l'avais déjà dit, ça fait longtemps aussi. Hein? Massamba Déba, alors pourquoi? Parce que c'est, la question n'est pas parce que Massamba Déba est décédé. Le problème qui est là, parce que c'est Norma qui l'a dit. Il faut que vous le sachiez. Il y a des gens, je vous le dis très bien. Je vous le dis très bien. Moi je l'avais vu depuis de mon esprit de village. Les gens de mon coco là. Les gens de mon coco là, quand on dit, c'est pas le tribalisme, c'est la vérité que je vous dis parce que vous blaguez trop. On va vous dire toute la vérité. Maintenant, on va vous dire toute la vérité. Nous ne faisons pas de la politique. Moi, je ne fais pas de la politique, moi. Moi, je fais des analyses. Voilà. Des gilets jaunes, des pompiers aujourd'hui commencent à sortir parce qu'ils ont compris que ça ne va pas ici. Donc, tout le monde ne fait pas de la politique. Ok? Donc, vos parents qui vivent là-bas, qui subissent tout ce qu'ils ont besoin de subir, parce que des fois, ils arrivent à avoir un peu de salaire à un peu 3 mois, 4 mois, on les paye. Parce qu'aussi, il y a aussi le ras-le-bol. Il y a aussi les gens qui s'indignent. Il y a aussi les gens qui disent la vérité. Bah ouais, mais c'est pas tout le temps en allant les agresser, c'est comme ça là qu'ils vont vouloir mettre. Chaque fois là aussi, ils ont monté. Voilà, c'est pas comme ça qu'ils vont écouter un peu le peuple, qu'ils vont vouloir alléger le quotidien du peuple. Hein? Donc aujourd'hui, les gens qui sont dans leur intérêt personnel de vouloir aller prendre le pouvoir, Sassou, il est là. Aujourd'hui, il est là. Prenez vos clics et clacs, allez enlever Sassou.
Voilà, maintenant on vous donne le défi. Ça fait longtemps que vous avez commencé. Vous nous faites que blablabla. Allez enlever sa soupe. Et on va vous. On va, nous sommes du centre. On va vous dire ah, les braves, les braves. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes que depuis plaire ou quoi? Hein? Depuis combien de temps que vous nous saoulez? Vous êtes pas des braves. Hein? Un jour, ça se va partir. Et je dis, mais oui, nous savons, un jour, moi aussi, je vais partir. Toi aussi, tu vas partir, l'autre aussi va partir. Mais alors, qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Allez nous dégager ça sous tout de suite, là. Si vous êtes des braves, au lieu de nous faire chier. Vous nous faites chier, je vous le dis, vous faites chier. Ras-le-bol. Si vous n'avez pas l'esprit humaniste, hein? Restez dans votre politique. Comme vous nous dites, si vous voulez aller au pays, voilà, moi je vais aller au pays. Les Camerounais, hein? Vous aussi faites votre politique dans la douceur. Ne venez pas nous casser des oreilles. Vous êtes à 90%, vous êtes 92%, vous n'êtes pas fort. Hein? Le 8%, vous n'arrivez pas à dégager le 8%. Ça, c'est quel raisonnement là? Hein? Et la vérité, elle est bien là. La vérité, elle est bien là. Sassou, c'est le président du pays. Tu vas dire le contraire. Même si tu ne le dis pas, je ne suis pas le président. Le petit David, toi, tu penses quoi? Le petit David, tu n'es pas à la hauteur de Norba. Le petit David, tu n'es pas à la hauteur de Norba. Ok? Ce que tu es en train de faire là, les manzanza, ma vidéo là, va faire des bruits dans le métro. On t'avait déjà dit le combat là, c'est pas les blancs qui vont venir, c'est pas les Français qui vont prendre les clics et clacs, qui vont dire, nous vous soutenons. Ils sont là à dire oui, d'accord, oui. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour le bien, c'est pour le profit du peuple français. Selon moi, je le savais déjà. Faites votre politique. Tu as envie d'aller être député de Zandoura Mouwenze, je ne sais pas, tu veux être député de marché total ou bien le ministre. Vas-y, allez-y. Mais par contre, je vous dis, hein, quand ça se va partir, à gare à vous, c'est vous les premiers qui vont mettre la zizanie encore dans ce pays-là. Parce que vous allez vous battre encore par rapport à vos postes. Moi j'ai fait ça, tu as fait une vidéo, moi j'ai combattu. Tu as fait deux marches, moi aussi j'étais là-bas, on vous connaît. Des capricieux de je sais pas quoi là, on va vous voir. Mais attendez, tu viens nous sortir de, je sais pas, de la dame qui a fait des vidéos, qui a fait la manipulation, je sais pas, le mixage de vidéos de Norbaoka. Mais vous êtes, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous avez le pied sur terre ou quoi? Est-ce que vous avez le pied sur terre? Moi, je vous l'avais déjà dit. Aujourd'hui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ok? Que les imbéciles qui ne changent pas. Hier, je peux avoir une autre vision. Aujourd'hui, je vois autrement. Hier, il ne pleuvait pas, mais aujourd'hui, il pleut. Demain, vous allez voir, il va faire froid. Ou bien, mélanger le froid et le soleil. Mais le temps sera peut-être négatif aussi, ou bien positif. Donc réfléchissez, je ne sais pas si vous habitez dans un pays de démocratie ou pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Parce que j'ai l'impression que vous vivez dans le monde. Des fois, même... Attendez, là... Désolé, hein. Il pleut en même temps. Il y a un peu du monde avec des camions là, des fois ils éclatent un peu trop de l'eau. Et à un certain moment, je ne vois pas très bien. Mais ne vous en faites pas, l'esprit du village, l'esprit du roi, le seul tout-puissant est là. Voilà. Donc, je vous le dis, là, quelque chose qui est très important. Je vous parle de l'histoire de Massamba Déba. Benol Tagouem et son Zélegangor, Norma Magrissa Massamba Déba, Bagatele Massamba Déba. L'histoire de Massamba Déba, c'est le jeune de Moukoko. Hein? Ce n'est pas le tribalisme. Je vous avais toujours dit, les gens là ont pris
comme habitude, dès que tu dis les gens du pool, dès qu'ils parlent, les gens du pool, surtout les gens du pool, dès qu'ils parlent, on leur catégorise, c'est des tribales. Et les gens du sud aussi, ils aiment bien gober cette histoire-là. Ça fait longtemps que je vous avais prévenu. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, Massamba débat. Il est parti. Ils vous ont voulu entêter, vous énerver par rapport à l'histoire de Massamba débat. Ça, c'est un piège. Il y a un certain moment, on peut vous dire des mots crus comme ça, là, ça vous rentre très bien. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous voyez juste la manière qu'on vous l'a dit. Mais réfléchissez. Pourquoi vous ne réfléchissez pas, vous, surtout les gens du pool là? Et c'est moi qui le dis. C'est moi qui va le dire. Les enfants de Massamba débat, ils ne savaient pas que leur papa n'a pas de tombe. C'est moi, Noir de Cause, qui le dis. Je l'avais déjà dit, regardez les dettes de Norba. Venez attaquer Noir de Cause, l'homme qui ne parle pas aux fesses. Hein? Et mes grands-parents, quand ils se battaient, Massamba débat, ils ne se battaient pas. Moi, je le vous dis. Je vous le dis. Et mon grand-père aussi m'a dit tout cela. Il n'y a pas que les enfants de Massamba débat qui connaissent l'histoire. Ok? Il n'y a pas que les enfants de Massamba débat qui sont les enfants du pays. Ok? Il y a des gens qui se sont battus aussi que Massamba débat soit là. On va vous dire toutes ces vérités-là. Et aujourd'hui, ma cousine l'a fait le soumoulam bouta, m'a fait le honda, quand l'outa koubamago. Hein? Mais c'est quoi ça là? Et vous attaquez encore Norba parce que ce Norba, c'est la personnalité de Norba qui l'a dit. Ce n'est pas les paroles qui vous choquent, mais c'est les paroles de Norba parce qu'il a parlé de Massamba débat. Moi, tout ce que je dis, c'est plus grave comme Norba il a dit. C'est moi qui ne parle pas, frère, je vous le dis. Moi, 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 je vous le dis. Nous tous, c'est comme ça, on se tire la vérité. Ok? Tout ça parce qu'ils ont fait un complot pour utiliser encore les gens du pool. Aujourd'hui, vous êtes là. Oh, Norba, Norba. Il n'y a pas que Norba. Norba, il travaille aussi avec des gens. Norba aussi, il écoute des gens. Parce que vous n'écoutez pas. Les gens là n'écoutent pas. Juste, ils sont dans leur profit. Norba est différent avec eux. D'abord par rapport à eux. C'est là qu'on appelle une personne qui a l'esprit. C'est pas une personne qui vient juste pour vous flatter parce qu'il veut être député de Zanou Rakuburo. Hein? Il veut juste à tout prix. Sassou qui part. Mais Sassou ne partira pas. Je vous le dis, Sassou va mourir là. Et vous n'avez pas de couilles d'aller dégager Sassou aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous donne une semaine d'aller dégager nous Sassou. Ça fait longtemps que ça a duré. Toujours pareil. Toujours pareil. Quel jour que vous allez être stable dans vos têtes? Vous les Larry là, vous les Bakongo là, vous les gens du pool là, quel jour vous allez être stable dans vos têtes par rapport à l'histoire du pays? Sangoulou en a un message, qu'on vous dit des messages depuis longtemps qu'on vous l'avait déjà dit. Faites très attention avec ce show là. Faites très attention. Je pense, je pèse très bien mes mots. Je suis le seul combattant. Après, il y a des audios que j'ai entendu ça. Mais aujourd'hui, on peut dire combattant parce que c'est de la majorité. Aujourd'hui, tu parles de ce pays, tu donnes ton avis, on t'appelle combattant. Pour faciliter la tâche aux gens, tu peux dire nous les combattants. Voilà.
Tu n'es pas là à s'expliquer. Non, moi je suis un révolutionnaire. Oh non, moi je donne. Non, pour faire tout court, voilà, tu dis, moi je suis nous les combattants parce que comme ça, comme ça. Donc ne prenez pas ça. Le Congolais, vous ne réfléchissez pas dès qu'on vous dit des trucs, vous ne prenez dans votre sens à vous. Hein? Je ne sais pas comment vous éduquez même vos enfants. Non, mais sérieux! Moi, je vous l'avais déjà dit, quand vous faites vos vidéos là, faites très attention. Moi, je viendrai toujours. Je viendrai toujours. Voilà, moi, je vous avais déjà dit. Hein. Mais une fois que je vous le dis, moi, je ne suis pas dans le flux. Moi, je suis dans le message. Je suis dans le message. Je ne serai pas là d'aller dans les conférences. Les Congolais, ça va, mes compatriotes, ça va. Nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Je ne suis pas là-dedans. Voilà, vous n'allez pas me voir aller postuler pour être ministre ou quoi là. Hein? Quoi que ce soit là-bas. Aujourd'hui, un camp-major. Essayez de voir autrement. Donc aujourd'hui, bon, ça se va partir. Bah ouais, bon, aujourd'hui, ça se part. Bon. Et la jeunesse à quoi? La jeunesse à quoi? Quand vous êtes le premier à vouloir nous dire, non, vous parlez de la jeunesse, vous parlez de la jeunesse. Bah oui, on parle de la jeunesse, mais aujourd'hui, ça se part où? Il part pas. Et la jeunesse. Il va se passer quoi? Que dalle! Donc ça revient même. Et aujourd'hui, ils donnent des moyens, par exemple, de subventionner, par exemple, des gens qui ont des idées, de faire pas mal de choses. Aujourd'hui, ça se part. Mais au moins, la jeunesse aura au moins quelque chose. Donc voilà. Personne qui vous interdit, mais là, mais franchement, personnellement, moi, la façon que vous êtes en train de montrer votre. Votre timamo pioé, non, non, mauvais cœur que vous avez, ça c'est du mauvais cœur, à tout prix, donc du coup, parce qu'ils veulent nous, en gros, on vous a attaqué, on vous a, bah, comment on dit la lingala, bah tiens, binona sasa, en gros, tout ce que vous avez programmé, votre stratégie, et bimina sasa. Et puis maintenant, ça va commis donc argument sur argument. Et donc argument quand même paix d'abord. Argument quand même paix. Mais moi je vous défie. Moi je vous défie. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vous nous avez tellement dit ça se va partir. Ça se va partir quand? Allez maintenant. Une semaine. Tu peux la possibilité une semaine. Quand vous êtes mort, on va mal du maga. Qu'est-ce que vous attendez? Ça fait longtemps que je vous avais dit. L'Élysée est juste là à côté. L'Élysée est juste là à côté. Le pays est pris en otage par les Français. C'est les Français, c'est pas Sassou qui a pris en otage le pays. Vous êtes des bêtes ou quoi? Hein? Vous êtes là à nous dire, oh non, l'autre là est plus intello et l'autre là est plus intello. Quel intello? Hein? Oh Norba, il n'est pas intello, cette dame-là a plus de neurones que Norba, ça se voit, mais alors, même si elle a plus de neurones que... Mais elle va, maintenant, on lui dit qu'elle rentre à l'Elysée, je ne sais pas où qu'elle habite là, elle rentre à l'Elysée, plus que c'est elle qui a la chatte, qui a la chaleur, hein? Quand elle va sortir là-bas, elle pourra avec sa chatte, elle va ouvrir les feux, n'importe quoi, l'eau sera dans le pas toi. Hein? Que maman, il sort ça comme on dit, on va t'accouter ça, mon petit David, non, non, tu es. Je vous l'avais déjà dit. La vidéo que j'avais fait, j'avais indexé les mamans Larry, les mamans du poule. Hein? J'avais fait une vidéo. Les archives sont là. Oh, à ce moment-là, tu étais où toi? La femme intellectuelle là. Hein? Non, non, moula, il douga, il koumatia. Je m'en bats de couilles. Hein? Que ça analyse, oh, Batel Bachir, et pour ne pas, et pour la histoire de ça, et ça pour Italie, Batel Bachir, quand tu peux t'avoir calé à ce moment-là, mais wap. Hein? Wata de Moukari là. Vous soyez bon, vous avez l'Andi, la bande, vous m'avez dit que ça, la bande, vous m'avez dit que ça, hein? Batagou Funama, vous avez dit que ça, vous m'avez dit que ça, Yenda, comme on a un nombre, il y a un magatia, et là, il y a un nom, c'est quoi, Élysée?
Mais je t'ai pas insulté, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Voilà. Comme tu as pris le temps de mixer les vidéos, tu as encore battu la machine. Hein? Comme nous, on a maillé là. Le pays est en otage par des Français depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Quand vous êtes en train de nous dire, oh, ça m'a encore ma chisso, et pourquoi ça m'a encore ma chisso? Vous habitez dans ce pays-là, c'est le pays qui a pris notre pays en otage. Vous allez chercher le pouls. Hein? Soit disant vous êtes des intellos. Même cartouche, quand même, vous ne savez même pas comment on met de la poudre dans les cartouches. Vous ne savez même pas. Mais vous êtes même pas des scientifiques. Vous ne savez même pas comment. Même pas bomber un pamba. Vous n'avez rien. Mais vous êtes là, Sassou, attendez-les, Sassou. Attends, aujourd'hui là, nous, on n'a rien à cirer de Sassou. Hein? Aujourd'hui là, maintenant, on dit, nous voulons rentrer, aller donner le petit peu qu'on a acquis ici. Voilà, c'est tout, pour le problème. Hein? De ce pays-là dont vous pensez, tout est à l'État. Tout est à l'État. Il y a beaucoup d'entreprises ici, c'est privé. C'est ça qui fait fonctionner le pays, même la France, d'une part aussi. Avec le peu là. Quand ils vont rassembler des matières qui viennent piller chez nous, ils ont fait le tout possible de créer des petites entreprises privées. Privées, je vous le dis. Avec notre propre argent. Ils ont blanchi l'argent par-ci, par-là, comme vous voyez des centres commerciaux, tout ça là. C'est de l'argent blanchi par rapport à des minéraux qu'ils ont venus piller chez nous. Et aujourd'hui, nous, on a acquis pas mal d'expérience aussi, pas mal aussi. On va aller travailler notre façon de voir leur manière à nous. Nous allons partir aussi. Qu'ils nous ouvrent des portes, c'est tout. Où est le problème? On ne peut pas dire non, ils vont nous ouvrir des portes, nous allons aller lécher le cul de Sassou. Vous êtes un bouffon, quoi. Hein? Quand vous parlez, est-ce que vous réfléchissez en même temps? Hein? Nous allons pas attendre que vous allez aller là-bas pour aller au pouvoir. Vous allez pas rentrer aussi. On va vous contrecarrer, je vous le dis. Par rapport à ce que vous avez montré, nous allons faire aussi le tout possible, argument sur argument. Nous allons dire au peuple, à chaque fois que vous allez faire des choses, nous allons vous montrer. C'est pas d'aller faire des conférences, d'aller faire le je sais pas quoi là, crier. C'est ça le combat. Ça, c'est pas un combat. Je vous le dis, c'est pas un combat. Le combat de mes fesses ou quoi? Hein? Toi petit Donald, toi tu ne connais pas les gens là qui bouffaient l'argent? Hein? Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché, en même temps je suis enrhumé et je parle souvent fort aussi comme si je suis dans la voiture avec le moteur de la voiture. Ça me donne tendance aussi de parler fort. Et meilleur, et d'ailleurs, c'est meilleur comme ça, là, vous m'entendez très bien. Voilà. Comme ça, là, vous entendez très bien. Non, mais il faut qu'on leur dise la vérité. Parce que tellement longtemps, eux, ils pensent au fait. Le Congo leur appartient, le combat de ce pays leur appartient, parce que Tata Yaba ou soi-disant les Souba, Yannika Vandaka, Nagifumu, donc c'est quoi? Je vous le dis quoi? Je vous dis. Les gens de Moussou, les gens de Souba là, ce n'est pas des tribales, hein, je vous le dis, les gens de Souba qui se cachent derrière Mokoko. Ils veulent rentrer derrière le nom de Mokoko. Et après, ils vont faire double jeu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manipuler encore les gens du poule pour leur donner du pouvoir. Beno Seno Keba. Toujours du Beno. Samundalu Tela, c'est noir de cause. Je vous le dis, c'est leur jeu. Ils se cachent derrière Mokoko.
Ils se cachent derrière Bokoko. Et ils essaient de manipuler les gens du poule. Voulant se pencher derrière les gens du poule, la foutre à Rakim Fumu. Après, ils vont vous massacrer encore. Ils vont vous massacrer encore. Et quand on vous dit ça, vous mettez ce qu'on vous dit de côté. Maintenant, c'est comme ça. Il peut y carry. Argument sur argument. Pour une vérité sur le terrain, sur vérité sur table. Surtout les gens du poule, c'est le Keba. Les gens là, ce n'est pas des gens. Vous-même, vous le savez très bien. Lui-même l'a dit, il a bien dit le poule, il a parlé du poule, il sait très bien pourquoi. Mais toujours vous ne réfléchissez pas. Et les gens là veulent faire le jeu. Ils veulent se pencher derrière mon coco, manipuler les gens du poule. Je ne sais pas si je suis là, Et aujourd'hui, la personne a tué ce norme. Aujourd'hui, la personne, les gens qui ont compris, les gens ont tellement compris, ils veulent utiliser le nom de Massamba Déba pour qu'ils rentrent encore en jeu. Et vous voulez gober les histoires comme ça. On veut vous contrecarrer cette histoire-là et vous continuez encore. Voilà. Ils ont la tchotse, nous. Le problème, c'est le Norba. C'est pas la question, c'est Norba. Vous avez peur de la personnalité de Norba. C'est pas ce qu'il a dit que vous l'attaquez pas parce qu'il a dit Massamba Déba. Allez voir mes vidéos. Les arguments de Massamba Déba, c'est moi qui l'ai dit le premier. Donc, si vous m'avez pas réussi à attaquer, donc cela veut pas dire que vous n'allez pas attaquer Norba aussi. Voilà. La personne qui allait être même condamnée, parce que quand tu tues, il y a maison prête, Norba il fait que passer, on l'accuse, mais pour l'instant, il y a d'autopsie, on voit très bien, c'est pas son point de Norba, et vous attaquez, vous accusez, vous mettez Norba en prison. Mais non, donc cela veut dire que vous n'êtes pas clair, les dates sont là, les vidéos sont là, moi on attaque, ma samba devant ma foi. Et je vous le dis encore clair, Massamba Déba, c'est pas lui qui a fait que le combat là soit là. Massamba Déba, il est venu juste après. Donc ne venez pas, Massamba Déba, et nous, nos gros parents qui ont combattu. Hein? Donc vous pensez qu'il y a que vous qui connaissez cette histoire? Hein? Massamba Déba, il a été président, il a été aussi un compatriote de Congolais, il est parti. Mais malheureusement, son histoire, Wadouzebi, pourquoi vous n'avez pas attaqué les Moshi quand ils ont fait, leur conférence nationale juste pour Marien Ngouabi? Pourquoi vous ne nous avez pas soulevé l'histoire de Massamba Déba, que ce soit à la une? Hein? Des bouffons que vous êtes, des hypocrites que vous êtes. Et aujourd'hui, vous voulez mettre Rankata Déma ou Norba. Et en plus, lui, il a fait que répéter presque. Il a vu l'analyse parce que lui, c'est une personne qui a l'écoute. Il y a un grand danger qui a été là. Les gens de le Souba là, qui veulent se pencher du côté du poule, sensibiliser les gens du poule, de parler de Massamba Déba. Quand Massamba Déba, il a été soi-disant, selon mon père m'a dit, ce que les gens ils entendaient, parce qu'ils me parlaient trop de trucs avec les Nganga Mapako, Banane Mapako, Kachinganga, moi. Moi, je suis Banane Kamu Nganga. Donc, Kamu Sili Barou, je vais tout là. Ça, c'est les histoires que j'ai entendues sur le mot. Moi, j'étais tellement gamin. Je ne sais pas si c'est Nganga. Attendez, quelle heure là? Bon, j'ai un peu largement le temps, ouais. Hey, frère, moi c'est comme ça, vérité sur vérité. Mon frère, moi je ne parle pas aux fesses. Mes paroles sortent sur la langue. Voilà, donc ce que je disais, le Nganga là, tout ça. Après, moi j'ai toujours été un enfant vraiment curieux. Je demandais pas mal de choses. Même mon père, des fois, il se fatiguait, des fois, il me disait, un jour tu vas devenir fou. Voilà. Mais ouais, aujourd'hui, même les autres qui n'ont pas d'esprit, ils me disent, non, il est radé de fou là. Hein? Massamba Déba, soit disant, on l'a donné chez les Ngoulou, hein? Chez les porcs, on l'a donné chez les porcs, ou chez les chebas, ou chez les lions, ou dans le truc comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, Massamba Déba est porté disparu. Mais ce qui est plus grave, qu'est-ce que vous en avez fait de Massamba Déba pendant la conférence nationale? Vous n'avez rien?
Il y a des gens. Vous savez parler que. Qui a tué Ngwabi? Qui a tué Ngwabi? Ngwabi, quand il est venu, il a fait ça. C'est lui qui a vu Tonton Mouatou. Et en plus, dans la conférence, il parle de Tonton Mouatou. Tonton Sassou, Tonton, comment on appelait ça, tout ça. Et vous êtes les grandes personnes. La majorité, vous là, les gens là qui nous parlent de Norba, qui sont là à attaquer Norba, c'est les mêmes, ça se trouve, qui étaient dans la conférence internationale, conférence nationale là. Vous êtes les premiers aussi, hein, de vouloir nous mener dans le bateau aujourd'hui. Vérité sur vérité, donc moi, quand ma maman a bino, s'il vous plaît, sortez vos enfants maintenant. Nous avons compris, hein. Je pense que vous êtes les premiers à vouloir nous copier. Nous avons fait la conférence nationale. C'est nous qui avons commencé la conférence nationale. Mais alors, vous ne savez, vous avez pas su qu'il y a Youlou qui est mort? Vous n'avez pas compris qu'il y a Bassama Diba qui n'a pas de tombe, un président qui a construit des usines là-bas. Et aujourd'hui, vous voulez nous faire revenir cette histoire-là pour que nous, qu'on soit sensibilisés, qu'on sorte encore pour nous faire tuer encore. Nada! Ça, c'est l'esprit qui parle, nada! Et je vous dis, les gens de Soupa, allez vous occuper de votre vieux qui vous a fait du bien, qui vous a donné tout. Allez maintenant, il a leur tête. Ok? Aujourd'hui, je vous l'avais dit, non? Aujourd'hui, ça se trouve, il est là. Hey, ça se voit. Ah, vieux Nangaï. Ah, n'est-ce pas? Ah, vieux Nangaï. Ah, ouais, vieux. Ah, petit Nanga. Ah, petit. Ah, je souffre un peu, moi, estomac. Mais ça va, quoi? Ça va, bon, vieux. Bon. Le médecin est passé. Ah, oui, il est passé. Ah, oui, il est passé. Ah, il est passé. Bon, d'accord. Bon, t'inquiète pas, je m'occupe très bien de notre fils. Hein. Voilà. Hier, la fois dernière, comme on s'est dit, hein, comme tu m'as toujours dit, mon vieux, donc il a fait un peu de la polémique à l'Assemblée, mais c'est bon. Il est à la une, hein, c'est bon. Après, puis nous, allez. Hein? Vous pensez que nous ne voyons pas? Hein? Vous pensez que nous ne voyons pas? Mais écoutez-là, moi, quand je regarde comme ça, j'ai l'esprit du village, je vous le dis. J'ai l'esprit du village. Moi, je vous le dis, moi, c'est une personne qui s'est battue, qui est battue dans ce combat-là. Bon, vous me connaissez Kazu avec le Makazu Nzamba. Connaissez Kunchamalu, bon, le pas de Ndé, c'est moi, le papa. Voilà, mais on est carré, mais t'es tout carré. Eh bien ouais. Parce que mon grand-père, il savait très bien dans le quartier là que je suis venu, c'est le quartier qui est vraiment. Il y a fouillé là-bas, d'où est Bingui, à ma Congo, à ma Congo. Mon grand-père, quand je suis venu, il m'a pris. Voilà, papa. Donc ça c'est la même chose, lui, t'es la même carte. Oh mais non, on va bien continuer. Hein? Et je vous le dis aussi. Je suis pas pour tout, mais là, vous êtes pour que les papas vous tiennent des épées. Moi, la tête, à sauter là-bas. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas nous embrouiller. Vous n'allez pas nous parler parce qu'il y a que le Bassamba Diba. Le Bassamba Diba, oui, c'est un Congolais. Mais aujourd'hui, on parle de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons mettre quatre sur table. C'est pas qu'on va, on va se dire, non, qu'on a vu, vous voulez nous embrouiller avec cette histoire de Bassamba Diba. Vous voulez nous hypnotiser avec l'histoire de Bassamba Diba. Non, aujourd'hui, nous avons compris, ça nous fait mal. Bassamba Diba, c'est une personne aussi qui est un compatriote congolais et qui fait partie du pool. Et maintenant, les enfants du pool ont beaucoup compris. Les enfants du pool ont voyagé. Les enfants du pool ont beaucoup de formations aujourd'hui, donc nous allons pas, vous allez pas nous inoptiser par rapport à cette histoire, parce que Bassamba Diba, il a été tué, tout ça là, parce que le temps passé est passé. C'est nous maintenant qui va soulever ce combat là. Nous allons soulever, nous allons sensibiliser les gens, nous allons savoir comment nous allons ouvrir ce dossier là. Fermez vos gueules, les enfants de Bassamba Diba, le Bassamba Diba aussi, je vous le dis, n'était pas qu'à vous, il était présent à tous les Congolais. C'était une grande personne qui a fait beaucoup de ce pays-là. Voilà. Beaucoup de gens qui ont profité de tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a construit dans ce pays. Donc aujourd'hui, vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas là à parler, à sensibiliser les gens, de parler de Bassamba Diba. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Norba ou bien Noir de Cause, il a dit ça. Allez voir, allez m'attaquer. Je vous donne terrain libre. Le sauveur de Bassamba Diba, je vous donne terrain libre.
Venez attaquer Noise. Faites ce que vous avez fait avec Norba de Paris. Norba de Paris, il a un peu conscience de méditer, mais moi je ne médite pas. Moi ça vient du cœur. Je te balance ça là directement, je te le dis. Quand tu vas dormir, tu vas dire, ah, le petit là, il a dit quelque chose, ouais. Et parce que c'est comme ça, ça vient du cœur. Je ne réfléchis pas. Mes paroles ne sont que sur la langue. Je ne parle pas aux fesses. Et je ne dis que de mots crus d'amour. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand je parle de ce pays-là, je suis là-bas. Je ne suis pas là à méditer. Parce que quelqu'un veut se tuer, quoi. Parce que quelqu'un. Non, rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Même là, au ce moment-là que je parle, hein, ma fièvre commence à sortir. Vous voyez comment je transpire. Depuis une semaine, je ne fais que des vidéos. Dire. Et pendant ce temps, je suis malade. Il y a des gens en plus qui ont venu me dire, non, il se cache, il n'est pas malade. Et attendez, hein. Attendez. Et en plus, vous êtes là à applaudir des gens qui veulent, qui sont manipulés par des gens de qui ont été les anciens de Souba, par des gens qui se cachent derrière mon coco, par des gens qui veulent parler encore, mettre à la lune de ma Samba Deba. Comme cela, les laris soient faibles. Les laris, ils se mettent l'esprit de vengeance. La vengeance à nous, ça va venir petit à petit. Notre vengeance à nous, ça va être dans les arguments. Nous avons compris. Ok? Nous avons compris. Allez avec votre violence là. Maintenant, Sassou vous attend avec votre violence. Il est prêt. Il est prêt. Ça fait longtemps que vous parlez, non? Ça fait longtemps que vous parlez. Au lieu que vous attendiez qu'il meure, et après vous allez saouler les Congolais. Nous avons combattu. Nous avons fait le métro. Nous avons fait les marches. Nous avons été là-bas. Ça, c'est le combat, ça. De vouloir faire tuer vos compatriotes, vous savez très bien qu'ils sont en danger. Et vous savez nager, vous les laissez se faire noyer. Et vous dites, ça, c'est le combat. Mon cul, ouais. Hein? Et en vouloir parler de Massamba Déba, toujours vouloir parler de Youlou, toujours vouloir parler de Ndoumi, toujours vouloir parler de ça, comme ça là, nous. C'est parce qu'on va se dire, ah bah ouais, c'est les gens du poule, ah bah ouais, non, ah non, d'une part quand même, ah, les gens là, ils nous parlent. Les vrais manipulateurs, c'est les gens qui se cachent derrière mon coco. Je vous le dis, aujourd'hui est Yokani. Je vous l'avais déjà dit, cherchez-moi là où vous voulez. Avec moi, je dirai la vérité. Comme vous cherchez, vous voulez. Vous savez demander la vérité, soit doit se dire. On va se dire la vérité. Mais moi, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous dire la vérité. Cette vérité-là, ça fait plus de. Ça va faire 4 ans que je vous le dis. Hein? Vous étiez où? Vous étiez où? Pourquoi vous venez mettre le plaid? Le couteau d'abord sur le plaid de Noise de Cause. Pourquoi? Et aujourd'hui, c'est les mêmes. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit, faites très attention ce que vous êtes en train de faire dans le Ndjila Machine. Hein? Et vous, maintenant, ce n'est plus les arguments, vous commencez à faire des fétiches. Mais ce n'est pas possible. Je vous le dis clairement, il y a des gens qui veulent aller faire des fétiches. Regardez sur la page de Général Keteka. Général Keteka, avec du Mopaka. Désolé de le dire. Hein? Désolé de le dire. Après, toi-même, si tu veux le dire encore, désolé, moi, parce que je suis énervé, j'ai été au courant, je le dis ici, on ne cache pas, ici, les paroles ne sortent que sur la langue. Voilà. Et c'est des mots cul d'amour. C'est quoi? Et on essaie de vous sensibiliser, mes frères. Pourquoi vous écoutez pas? Mais ça, c'est quelle endoctrination de ce vieux-là? Mais je ne sais pas parce que, ouais, je dis endoctrination parce que c'est trop. C'est fort, ça. Pour moi, je veux dire, ils vous ont tellement eu. Je suis d'accord. Partout, le président n'a jamais été saint. Dans n'importe quel pays, le président n'a jamais été ça. Aujourd'hui, vous voyez Macron, il massacre maintenant les pompiers. Il massacre maintenant les pompiers. Vous voyez ça très bien. Le Macron, ça fait combien de temps qu'il est là? Hein?
Ça fait combien de temps qu'il est là? Mais il a fait presque, je pense pas que si, quand Sassou est venu au pouvoir, il a massacré le peuple comme ça. Même Macron, s'il reste au pouvoir plus longtemps que Sassou, mais il va être encore pire. Il va être encore pire, les gars. Essaye de faire, de peser un peu des choses. Essayez. Donc aujourd'hui, essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir. Et moi aussi, je vous dis, vous les Mindjalangoto là, hein, vous, les gens qui sont au pays là, là, hein. Puis même avec ce problème, on n'a pas qu'à. Tu ne fais même pas l'analyse. Vous ne savez même pas. Mais je vous le dis. Vous connaissez l'homme qui habite Sassou à Oyo? Vous avez des armes. Au lieu de nous parler, vous avez tout fait. Votre mot coco là que vous nous dites. Que vous nous disiez là tout le temps là. Qu'est-ce qu'il a fait? Obéissance nationale, je sais pas, obéissance, désobéissance nationale qu'il a fait là, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Et après, le petit David, il va te faire un trottoir, écoute, hein, moi, on m'en voit pas. Regardez, hein. Il est là tout de suite, là je pense qu'il est encore dans son direct. Parce qu'il y a une personne qui a publié ça. Je venais juste de finir mon travail parce que moi j'ai fini à 20h. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent très bien. Je finis à 20h. Donc ceux qui veulent même me chercher ça là où vous voulez, venez, je m'en bats. Je vous donne mes heures, je finis à 20h. Dès que j'ai fini, j'ai déclenché. J'ai été acheter juste mon petit truc là que je bois souvent le soir. J'étais dans le supermarché, après j'ai attaqué le direct. Donc il n'y a personne qui m'a dit faut que je. Personne qui m'envoie. Moi c'est l'esprit qui m'envoie. Voilà. C'est l'esprit qui m'envoie. Et aujourd'hui, vous-même, le petit David, tu le sais toi. Le petit David. Tu le sais très bien, je t'avais déjà prévenu. Tu sais de quoi je suis capable. Quand j'explique des choses, tu sais très bien. Tu connais ma valeur. Et je vous avais prévenu. Et je t'avais prévenu aussi par tes tontons là. Soit disant qu'ils t'ont initié dans la franc-maçonnerie. Tu sais très bien. Donc aujourd'hui, hein, moi je t'avais dit. T'es qui député là que tu cherches là. Tu vas aller être député de Zandoura, tu dois être député de marché total. Ou marché de Mungali, ou marché Wenze, ou marché de Bouemba. Je ne sais pas où, là-bas, dans le Njilama Chinila, dans la Bouenza, dans ce genre, il y a quoi comme marché là-bas. Appelle-moi le grand tribal. Appelez-moi le grand tribal. Parce que vos manigances là, que vous êtes on est en train de vous manipuler, vous ne voyez pas. On vous dit la vérité. Vous allez dire non, vous voyez, hein, c'est des tribales. Vous voyez, hein, c'est des tribales. Tribales là, ouais. C'est la vérité pure. Ça, on appelle ça la vérité pure. Voilà. C'est la vérité qui n'a pas des arrêts. Moi, tu viens faire encore une vidéo, ou n'importe qui vient faire une vidéo, je te mets à ta place. Je te mets à ta place. Allez dire même à des Macombe, les gens là qui ont complété avec des Macombe, vous allez sortir dans vos nouveaux sortir là-bas. Vous êtes là à critiquer seulement les Macombe, et vous êtes en train de critiquer seulement tout le monde. On vous connaît, moi je vous ai déjà entendu parler. Je vous ai déjà entendu parler quand vous dites des choses.
Vous fréquentez les gens, vous fréquentez les mapingous, mapingous, les mapingous sont pas clairs. Putain, mais ça c'est quel genre aussi, vraiment, sur une... Putain, va quand même une peine pour que tu ambigues, vraiment, eux. Oh! Sur une... Sur, attends, sur une fois de 180, 130 d'abord, la personne nous roule à, même à 50. Sans warning. Bon, donc voilà, je vous ai dit pas mal de choses. Donc, ne dramatisez pas de choses. Donc, tu es là, 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 Abalawa ngo chakuma be chaisa la duka talumani sebe benembe eh balawa sama tebo ta ko funi gogo cha duka no sa sonza na ruwa talumani sa mebe lumani sa ko sonza le kutaku ngumbu wadi ba ngumbu kwa parce que mwana ta sama teba n'importe quoi ngo vula ti lumu chichi samya ti mita joka ni ba fumula ta sama teba ni ba musa ka ba sama chima ko yula ba chima chima ko c'est la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité hein? Et aujourd'hui, c'est le problème qui était là, c'est ça. Le gros problème, c'est vous, mettre dans la tête, vous embrouiller. Mais hors système, il y a beaucoup de cambriers là. Mais nous, on t'abandonne. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Bref, réfléchissez. Vous voyez mon coco. D'abord pas mon coco, ma pingou, il voulait se présenter. Hein? Ma pingou, il voulait se présenter. Quand il a vu, il n'y a plus de moyens de se faire présenter, de se compléter avec ce pouvoir. Maintenant, c'est là qu'il commence à nous demander le soulèvement populaire. Mais Pérégalou Mounaga Pandouko. La personne au jour au lendemain, comme ça, il change. Vous avez dit, il est en train de jouer un double jeu. C'est un jeu de dames qu'il est en train de jouer. Et aujourd'hui, la personne a tué. Qui est en train de jouer double jeu, c'est norme. Mais la personne qui était là il n'y a pas très longtemps, il vous dit non, il vous a montré sa position, vouloir aller. Si le peuple lui choisit, le peuple dit son dernier mot, il se présente. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Parce qu'il avait l'espoir. Donc aujourd'hui, ça n'a pas marché, ce n'est pas lui qui a été choisi. Et il demande au peuple le soulèvement populaire. Au jour au lendemain comme ça. Et il y a des gens qui ont l'habitude de voir des choses dans l'esprit. Hein? Il y a des gens qui ont l'habitude de voir dans l'esprit. On vous dit c'est pas ça. Et je vous le dis, hein, quand on parle dans cette lutte-là, quand on a un esprit, quand on a un ping quoi, ça m'a dit le terrain.
et de vous dire la vérité, ma doumaga, ma telle ma vérité, ma doser ma bande, ma foi, ma telle ma doumaga, ma bingo. On a un bingo, et on n'est pas dans le profit. Eh bien, je vous le dis, moi personnellement, je ne cherche pas de midi à 14h. Je ne cherche pas de venir vous flatter. Je ne cherche pas de venir vous parler avec des documents, hein, de faire des documentaires, de vous dire de vous faire des discours à la con pour vous dire des choses. Non, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Argument sur argument, vérité sur vérité. Voilà. Donc, allez réfléchir par rapport à l'histoire de Massamba Déba que vous avez voulu attaquer Norba. Et vous allez comprendre, les choses ça se passent aussi dans l'esprit. Beaucoup de choses qui se passent dans la méditation. Réfléchissez, méditez de temps en temps. Hein? Comme il a dit Norba lui-même dans sa vidéo, une vidéo de 1h15. Vous avez préféré juste de prendre moi qui reste. Hein? C'est ça, je pense que c'est ça. Moi, une partie pour... pour faire descendre Dieu quand nous avons coca. Bon, nous avons coca, nous avons coca dans l'hôtel. Hein? Dans certains autres, vous serez non? Dans certains autres, vous serez non, Boubou. Vous allez comprendre. Mais un jour, nous avons un hasard à Bissot. Nous avons un hasard à Bissot. Vérité sur vérité. Donc aujourd'hui, le pouvoir est là, le pouvoir vous attend, vous avez des armes, vous êtes prêts, on a entendu des audios, et allez-y, nous attendons. Nous sommes du centre, nous, on vous a dit nous sommes du centre. Comment, il y a des gens qui nous disent il n'y a pas du centre, il n'y a pas du centre, comment ça? Comment ça? Nos parents qui sont là-bas, qui ne parlent pas de la politique, ils sont où? Vos frères là, ils sont où? Déjà, ils ne parlent pas. Il y a des gens qui ont pris le courage de prendre le téléphone. Mais là, ils sont grave. Hein? Tu vas réaliser que tu as oublié. Tu as dit que non. Tu as un pingou qui veulent vous manipuler. Allez, il vous a dit de sortir. Non? Allez-y, sortez. Puisque Norba vous a trahi. Maintenant, sortez. Benoît le Gonda. Mais le vrai, c'est pas quoi, maintenant. Quand tu es là, quand tu es au Koufi. Les gens, ils veulent prendre leur pouvoir. Ni pas où le taf de ça aider. C'est des manipulateurs. C'est pas d'être tribal. C'est pas tribal, vérité. Na. Les gens de l'Issouba, notre côté, c'est pas aujourd'hui que je le dis. En ce moment, je dis les choses que j'ai déjà été, qui a été déjà dit. Et quand on parle de cette histoire, tu devais être tribal. La vérité, tu devais être tribal. C'est des choses qui sont là. C'est des choses qui sont là. Je vous le dis. Les gens dans le Souba, là, je ne sais pas comment on l'appelle. Moi, je ne sais pas où. Je ne peux pas dire les bébés ou les quoi. Mais ce n'est pas. Quand Benavre Bandu, Bagou court à l'attrapage, on fait tout côté. Même dans le thé, là, il faut pas songer là, on va sortir le peuple. Ce n'est pas des gens. Là, on va vous dire certaines choses. Vous êtes là à nous dire non, au combi, il a fait francs 400. Et mais nous entendons aussi Bernard Pingou, celui qui a recruté les Obévillois, non? Vous dites quoi sur Bernard Pingou, là? Hein? Le recruteur de Obévillois ou bien le Coco, je ne sais pas. Vous dites quoi? Les Malanangombe sont vérité. Vous cachez d'autres personnes. Et vous voulez le Congo soit libéré. Vous allez libérer le Congo dans vos cacheteries là. Hein? Donc voilà, c'était juste ça. Allez, attaquez. Moi personnellement, moi j'ai toujours des arguments. J'ai toujours des arguments. Aujourd'hui, moi, par exemple, hier j'ai mangé je ne sais pas quoi, aujourd'hui je ne vais pas manger ça. Ouais. Hier j'avais d'autres visions, aujourd'hui j'ai d'autres visions.
Donc vous n'allez pas nous traiter, oh des gens, ou vous n'allez pas nous dire, oh des gens, hier il a dit ça parce que hier j'ai traité, j'ai parlé d'un tel. Vous allez nous faire sortir encore la vidéo que j'ai fait sur un tel. Mais la vidéo que j'ai fait sur un tel, à ce moment-là, ma façon de voir des choses, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, l'homme évolue. Voilà. Vous n'allez pas nous sortir de tas de vidéos parce qu'un tel a dit à l'époque, un tel a dit à l'époque, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Voilà. Moi, noix de cause, quand je vous ai toujours dit, moi, ça, l'attention, la façon que vous êtes en train d'emmener votre politique là sur la place de Paris, et qu'on s'en a la bine pour Nangaï. Moi, je veux être votre adversaire, pas adversaire, oui, adversaire politique. Pas politique, mais je veux vous attaquer par rapport à votre manipulation, votre fonctionnement. On est où? Parce que visionnaire, voilà. Et ça a été dit aussi. Allez chercher moi des vidéos là, je vous avais dit. Mais par contre, ça, vous n'allez pas les sortir. Ça, vous n'allez pas les sortir, des genres de vidéos comme ça. Et vous avez comme une des problèmes personnels avec Norba. Vous voulez étouffer Norba. Chose plus grave que Norba. Norba avec sa sapologie, Norba avec sa musique, Norba aussi avec sa vision de voir des choses, avec sa vision qu'il a déjà, la visibilité qu'il a, bah, il parle, il sensibilise, bah, laissez-lui. S'il peut maîtriser la jeunesse, laissez-lui. Allez faire tuer vos jeunes qui va vous suivre. Voilà. Mais maintenant, on vous demande, sortez des jeunes maintenant. Sortez des jeunes. Ils sont là. Lui-même, il a dit, Mpila est toujours là à côté. Allez à Mpila. Sortez des jeunes. Sortez. Vous attendez quoi? Vous êtes toujours les premiers à vouloir nous faire des blabla, à vouloir nous venir nous mettre des commentaires. Et Zangatina. Et Zangatina. Et moi, ça me fait rien. Quand vous êtes. Surtout toi là, tu viens d'arriver Longue Biania. Moi, je t'ai vu. Hein? Longue Biania, moi, je vois. Quand tu viens commenter des trucs là. Oh, bon voyage, je sais pas quand tu viens écrire deux fois. Je zappe seulement comme ça, vite fait et tout. Vas-y. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Avec votre politique, il y a net. On vous demande, allez-y, moi je vous ai dit jeudi, je ne sais pas demain si j'aurai le temps. Jeudi ou pas, samedi, d'abord vendredi, ambassade. Là vous allez voir les quelques gens de couilles. C'est pas venu nous parler là. Attendez-le, ça c'est un combat. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Que parler. Vous n'avez même pas de conviction dans ce pays-là. Non. Pendant combien de temps nous allons entendre les mêmes discours? Et ça, c'est du temps perdu. Je vous le dis, c'est du temps perdu. Moi, quand je vois les années que je fais là, sans vouloir aller faire quelque chose là-bas, c'est du temps perdu. Ok? Je vais nous un jour, nous allons quitter, nous allons enlever sa sou. Renifler derrière. Non. C'est quoi ça? Aujourd'hui, tu as ta santé. Si tu veux aller travailler, aller ouvrir tes trucs là-bas, va payer des taxes normalement. Yeah? De tes fesses ou quoi?
des taxes normales. Est-ce que toi, t'as des... Nga, parce que je pense que t'es... Ah, oui, bon voyage, merci. Ouais. Est-ce que la dame là qui a fait l'audio... Je ne sais pas si tu as des enfants qui ont été déjà là-bas. De toute façon, c'est juste... Les gens de raisonnement comme ça, c'est les gens qui soutiennent mon coco. Hein? Aujourd'hui, si nous revendiquons, parce que nous savons de quoi nous parlons, et je sais moi aussi de quoi je parle, j'ai été là-bas, j'ai été attaqué par la douane directement. Et c'est pas la douane qui est dans les normes, qui est en règle. C'est pas la douane qui a été fixée aussi par l'État. Il y a la douane qui a été fixée par l'État, mais on te cherche toujours des problèmes que tu payes encore plus. Et ça, c'est pas Sassou qui est derrière. Aujourd'hui, nous avons Adama Traoré qui a été tué. Est-ce que c'est Hollande qui était derrière? C'est Hollande qui a dit tuez-moi Adama Traoré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qu'on a vu, par exemple, qui ont été poursuivis. Là, les jeunes, je me rappelle, en 2004 ou 2005. C'est le président qui les a commandités, qui les a dit, allez, tuez-moi ces gens-là. Et je vais vous dire encore, puisque vous nous parlez de Chakona. Est-ce que quand ils ont pris des jeunes-là, ça se trouve, il était même pas au courant. Quand ils ont tué les jeunes de Chakona. Mais arrêtez tout le temps de vous. Il faut voir des choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai, celui qui dirige, on peut dire que non, c'est lui. Ben voilà. Mais il n'était pas là. C'est pas lui qui a dit allez chercher moi 12 jeunes, allez, mettez-les dans en prison, allez, battez-les. Mais après, justice doit faire. Là, je suis d'accord. Il y a des choses que vous dites des fois sans contrôle, donc comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas appeler ça sous président, même si tu l'appelles pas sous président, il est là-bas. Ça se trouve à cette heure-là, il est dans de manger sa caviar. Hein? Eh ben ouais. Il est bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est dans de faire, ça se trouve là avec son nouveau petit enfant. Je ne sais pas, il est dans de chuchoter ses enfants. Et vous êtes là en train de crier, pourquoi ça se trouve dans le monde? Ils sont fous. Ils sont fous, je vous le dis. L'Élysée est là-bas. Vous savez très bien, l'Élysée c'est à côté. L'Élysée c'est l'Élysée qui ont pris le pays en otage. Vous ne faites rien. Allez attaquer d'abord. Vous les intellos, vous qui attaquez Norba, tu n'as même pas l'usine de vêtements au pays. Hey, hey. Vous êtes dans ce monde-là ou quoi? Johnny Hallyday qui était la star de la France. Il a construit combien de cordes de musique ici? Johnny Hallyday, dites-moi quelle école qu'il a construit de musique ici. Au lieu de venir nous dire de conneries et de nous remettre en Zangatina, quoi. Vous êtes très bien, quoi. Mais. Donc aujourd'hui, moi, je suis ma passion. Je fais du jogging, donc il faut que je trace spécial ma ligne que. Hein, donc cette route-là que je fais d'abord le jogging. Donc, je dois tracer, non, ce noir de cause qui fait le jogging ici, ça c'est ma route. Donc, puisque ma passion c'est le jogging. Donc, c'est ça que vous voulez. Chaque personne qui fait son truc, il doit se montrer, donc ça c'est mon truc à moi. Les Kamomoko Kaka. Les Kamomoko Kaka, jalousie, motema ma ben, motema le kunya, bozana, mon la personnalité en orba. C'est ça. Mon thème à ma paix. Et vous voulez que le sac à répondre. Maintenant, tu as écouté la vidéo, Zena. Vieux Kungana repasse. C'est pas aujourd'hui que je le dis. C'est pas aujourd'hui. Et je vous avais déjà prévenu. Vous êtes en train de minimiser Norbala. Il y a un an, je vous l'avais déjà dit. Parce que nous sommes des visionnaires. Nous, on a l'esprit du village. Hein? Mais le jour que vous allez le perdre,
vous allez le chercher encore de problèmes. Benoît Talagamio, les gens qui sont adeptes sur mes vidéos là, vous savez très bien, je l'avais dit. Et vous-même, ceux qui font des vidéos, vous m'avez écouté? Vous m'avez écouté? Vous avez vu cette vidéo? Et aujourd'hui, vous êtes le premier de vouloir faire des vidéos sur Norba. On t'avait vu venir, vous l'avez vu venir. Et nous aussi, on vous avait vu. Moi aussi, je vous avais vu venir. Vous avez vu Norba? Moi aussi, je vous avais vu venir. Mais pendant ce temps, moi, je vous avais prévenu. Vous n'avez pas prévenu Norba. Mais moi, je vous avais prévenu. Les vidéos sont là. Vous et moi, qui est véridique? Vous et moi, qui est véridique? Au lieu de parler sur parler. Vous allez faire fier, moi, je vous fais O. Vous allez faire A, moi, je vous dis I. Ok? Il y a maintenant Iboy Ikeri. Des preuves sont là. Des preuves sont là. Nyaza Jingzi n'a pas tout vu. Ouais. C'est pas la quantité qui compte. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Au début, j'ai complètement oublié le proverbe. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Vous êtes venus dans le combat pour être des stars. Mais nous, on est venus dans cette lutte. Pas dans la lutte, pour éclaircir. Ouais, dans la lutte, mais pour éclaircir. Il y a beaucoup de gens qui sont comme nous. Donc, ne voyons pas, les gens ont le même langage, ils se disent le même langage, ont la même compréhension. Voilà, ils restent ensemble. Vous voulez les attaquer. Mais restez vous aussi pareil quand vous êtes là-bas. Nous étions ensemble avec vous. Nous avons trouvé, on ne peut pas marcher ensemble. Ben, nous avons pris notre chemin. Ben, laissez. Mais pendant ce temps, nous avons dit, comme nous étions ensemble, il y a un moment. Nous avons été contre ce pouvoir, nous avons dénoncé tout ce qu'ils ont en train de faire, mais aujourd'hui, ce que vous faites aussi, vous êtes en train de faire pareil comme ce pouvoir. Donc aujourd'hui, nous allons être au centre, voilà. Puisque vous reprochez des choses à ce genre-là, que vous reproduisez vous-même aussi. Vous êtes les premiers à critiquer ce pouvoir, vous êtes les premiers à aller commander aussi à ce pouvoir. Donc, vous voulez emberner qui? Mais pendant ce temps, les gens ont commencé à dénoncer. Pour le bien du peuple. Mais vous, vous dénoncez. Pour vos intérêts personnels. Pour vous faire remarquer ce pouvoir, pour travailler avec ce pouvoir. Comme on ne vous ouvre pas des portes. Comme Sassou ne vous a pas ouvert des portes, vous continuez jusqu'au bout. Et vous êtes devenus des haineux. Donc voilà, au lieu de parler, Sassou va partir. Sassou va partir. Moi, une personne qui me dit, un jour, le soleil s'appelle. Le soleil s'apparaîtra. Il y a tous les jours, toutes les nuits, c'est pareil. Toutes les nuits, tous les jours, c'est pareil. Donc arrêtez de nous dire un jour, vous n'êtes pas sûr. Voilà. Quand vous dites, Sassou doit partir, mais Sassou doit partir immédiatement. C'est vrai. Je vais aller au marché, je vais faire le marché. Je vais faire ça. Je vais aller travailler. Il faut que je trouve du boulot. Une personne qui me dit souvent, il faut qu'un jour, il faut que je trouve du boulot. C'est une personne qui n'est pas courageuse. Moi, je me lève, je dis aujourd'hui, je veux trouver du boulot. Il faut que je trouve du boulot. Je vais faire le nécessaire. Je ne vais pas attendre pendant 5 ans pour payer ma maison. Et nous, c'est pareil, on ne va pas attendre 5 ans qu'on a déjà loupé. Avec vos arguments que vous avez. Et si vous êtes fatigué, allez-y au Congo. Si vous êtes fatigué. Mais qui n'est pas fatigué? Qui est fatigué? Qui est fatigué? Nous ne sommes pas fatigués, c'est l'urgence qui oblige. C'est l'urgence qui est là. Si vous ne voyez pas l'urgence de ce pays, il y a un certain moment, ça vous regarde. C'est normal que vous ne voyez pas l'urgence. C'est normal parce que vous êtes là pour vos intérêts personnels.
L'exemple, elle est bien, elle est bel et bien là. Dans le pays que vous vivez. Tout n'est pas à l'État. Tout n'est pas à l'État. Effectivement, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe aussi dans nos pays africains. Tout, maintenant, ça devient privé. Mais c'est pas, au lieu que ce soit même la diaspora qui vienne acheter certaines choses, c'est des Chinois, c'est des autres, voilà. Mais comment voulez-vous aller acheter le genre de structures comme ça là? Comment voulez-vous? Sans l'aide. Sans les allégements, par exemple, des douanes, des taxes, tout ça là. Avec la dame que petit David là. Lui, il se croit que Dieu, que. T'es là. Moi, je te dis, hein. Moi, je te dis, petit David, tu n'es rien. Tu n'es rien, à part le buzz. Le buzz, oui, tu es fort dans le buzz, mais tu n'es rien dans ce pays. Ne pense pas parce que quand tu parles, maman, bon, n'était mon combattant de Chicago. Tu n'es rien, tu n'as pas d'esprit, je te dis. Tu n'as pas d'esprit. L'esprit du Congo n'est pas avec toi, je te le dis clairement. Tu n'as que des esprits de suivre un suivre là. Tu vois comme les pasteurs là que tu traites là. Les gens là, qui les suivent, c'est pareil. Les gens là aussi sont, qui sont derrière sont rien. Dieu n'est pas avec eux. C'est pas parce qu'ils sont dans l'église. Un pasteur aujourd'hui, il se proclame, je suis en train de. Les gens là, Dieu ne les écoute pas. Toi aussi c'est pareil. On vous écoute pas, le système vous écoute pas. Ils savent très bien, vous êtes en train de faire le ngongi. Vous êtes en train de faire du bruit pour rien. Vous n'avez pas d'esprit. Le message que vous faites circuler là, avec vos vues que vous nous parlez là, des marches que vous faisiez là, vous avez combien de personnes? Si vous êtes écouté là, avec les vues que nous parlons, ouais, mais aujourd'hui vous avez vu. Vous avez vu. Il y a au moins quand même des gens qui ont dit, non, bah, nous a dessus. Parce que vous avez fait circuler un faux message. Vous avez pris juste un petit bout pour circuler un faux message. Les gens, comme c'est des gens, les Bilanangombe comme ça, ils n'ont pas bien ressaisi le message. Vous les avez tellement intoxiqués. Au moins, vous avez vu l'impact. Vous avez vu l'impact, les gens, comment ont été déçus. Parce que vous les avez conduits dans l'erreur. Mais la vérité viendra. La vérité est là. Donc c'est pour cela que je te dis. Je te l'avais déjà dit au niveau de Roga Roga. Au conseil de Roga Roga. Méfie-toi. Tu te crois trop. Tu te crois trop. Et aujourd'hui, déjà, va faire ton combat avec des panafricains. Je t'avais dit, ne viens pas. Tu as fui déjà, tu as un maillot faible dans ce combat. Tu as été déjà un maillot faible. Je te le dis, je parle encore de toi. Parce que ici, c'est comme ça. Chez nous, de cause, on dit la vérité. On dit des choses. Surtout pourquoi moi, je t'attaque souvent. Parce que moi, je vous attaque, vous deux. Souvent. Toi et Fay, quand vous déconnez, je viens dire vos noms ici. Parce que j'ai beaucoup parlé avec vous. Vous ne m'avez pas écouté. Et ce que vous reproduisez, c'est des choses que vous avez dit de faire attention. Et vous continuez à faire les mêmes choses. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que moi, je vous ai vu avec vos vieux là, avec tout le monde là, beaucoup de gens, vous n'êtes pas que vous. Hein. J'ai beaucoup parlé avec vous des choses qui sont vraiment dangereuses. Et aujourd'hui, on les voit. Et vous êtes les premiers à vouloir être aussi embobinés par ces vieux là. J'ai bien précisé, les premiers.
Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est toi, petit David. Petit David Donald. Soit disant l'homme de demain. Regarde demain, moi, il t'arrête demain. Demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Toujours demain, demain, ça va être combien de demain? Hein? Moi, demain, je vais attendre, je vais être l'homme de demain qui va aller sauver le pays. Demain, c'est quand? Parce qu'aujourd'hui, on est le 16. Donc, le demain, là, ça va être le demain, le 17. Donc, si on, demain, on devient le demain, le 18, quand tu l'as l'homme de demain? L'homme de demain, ouais. Demain, c'est le 16. Demain, aujourd'hui, on est le 16. Oui, donc demain, c'est le 17. Dépasser le 17, tu n'es pas l'homme de demain. Aujourd'hui, je te l'accorde. Aujourd'hui, on est le 16 octobre 2019. Donc, le 18 octobre 2018, tu n'es pas l'homme de demain. Donc, on t'attend. D'abord, le 17, l'homme de demain, nous allons t'applaudir. Tellement parlé. Nous allons t'applaudir. Hein, le 18 octobre 1900, 2000 d'abord. 2080. Oh putain. 2019. Nous allons t'applaudir le 18 octobre 2019. Sinon. Rien. Toi, t'es qui? Quand tu dis, ça sonnera pas le temps. Va le tirer sur ses cheveux, ramène là où tu vas le ramener. Là où tu vas le mettre dans sa tombe. Mais vous êtes. Mais attendez. Eh ouais, il est déjà 21h04. Voilà, fou. Attendez. Franchement, vous. Je ne sais pas, les gens de mon coco là, qu'est-ce que vous avez? Puisque tu l'as dit toi-même dans la vidéo, Norba a parlé des gens de mon coco, donc c'est nous. Tu l'as bien dit, donc c'est vous. Bon, moi aussi je vous en ai les gens de mon coco. Les gens de mon coco, on vous a entendu parler quand ils ont mis les gens dans les gens de bitch que vous nous parlez là. Vous ne souffrez pas comme les gens qui étaient à Congo dans le temps là. Quand vous parlez, il faut savoir parler. Si vous êtes vraiment, si vous subissez comme nous, nous subissons, nous avons vu les gens qui étaient là-bas, tout ça là, vous n'allez pas soutenir mon coco. Donc vous ne subissez pas ce que nous subissons. Hein? Soutenir mon coco. Et après soutenir les actions qui se passaient au beach. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes vraiment sérieux? Et vous êtes les premiers, les gens là, surtout les gens du quartier sud. Vous prenez des téléphones, dire on nous a trahis. Mais attends, quand même, une dongo, non? Comme le prêtre là, qui l'a dit, oh, yondoko. Les mêmes gens qui viennent vous sensibiliser, au fait, vous. Les mêmes gens qui viennent vous baratiner au nom de vos morts. Au nom de vos morts. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien pour t'énerver quand on te dit Moula Mamaku. C'est là, quand on te dit Moula Mamaku, ça te touche déjà. Donc, de vouloir nous, Moula Mamaku, Banda, ils sont obligés de nous toucher par rapport à ce point-là. Si on ne te dit pas tu es tribal, si on ne te sort pas tes noms de tes propres morts pour t'enrager, il n'y a que ça. Donc nous devons leur comprendre. Hein? Donc, de toute façon, nous les gens du pool, nous sommes au centre. De quoi que vous ne voulez pas ou quoi, nous sommes au centre. Aujourd'hui les gens du pool, les gens du pool veulent se lever, ils vont se lever le pays. On marche, le feu. Ils savent très bien. Ils savent très bien.
Mais pourquoi, madame Yirigagabi, pourquoi aujourd'hui vous commencez à faire des fétiches? Pourquoi? Le combat est devenu comme ça? C'est quel combat maintenant le combat? Si vous ne savez pas, si vous ne savez pas, moi ici je vous dis juste les vérités. La fois dernière, je vous l'avais déjà dit, il y a des gens qui sont partis dans le Ndjilama Shiri là. Chez les bébés, là, je sais pas là où c'est les bébés ou quoi, pour aller faire des fétiches, pour faire du mal aux gens de la diaspora ici. Hein? Mais malheureusement, je voulais le sortir. J'avais dit, la prochaine fois, je vais vous dire le nom. Mais vous avez échoué. Vous avez échoué. C'est vrai, il y a des choses, des fois, que je suis très rapide de le dire, mais vous allez comprendre vous-même. À chaque fois, les noms vont sortir. Petit à petit. Mais là, nous allons régler d'abord cette histoire que vous essayez de sensibiliser, d'abord d'embrouiller les gens du pool. Pourquoi vous prenez votre place? Et vous massacrez encore, vous allez faire pire. Vous allez faire pire que ce qui se passe là. Et vous allez vous vouloir. Parce que là, vous voyez des audios. Hein? Hein? Donc c'est pour cela que je vous ai déjà dit, surtout vous les gens du sud, méfiez-vous. Vous avez vu comment vous avez. C'est les gens du sud, la majorité. Hein? C'est la majorité, c'est les gens du sud qui attaquent encore. Norba. C'est les gens du sud qui attaquent Norba. Mais sachez-le, Norba, vous l'avez pas attaqué parce qu'il a dit ses propos. Ce n'est pas dans ses propos. Ah non, parce que Norba, à travers le nom de Norba, on vous a manipulé pour attaquer Norba parce qu'ils savent très bien la puissance norbatique. Et je vous l'ai déjà dit, moi j'ai fait des vidéos, j'ai parlé de ma Samadeba. Parce que moi je ne suis pas dans le même niveau que Norba. Et vous ne m'avez pas attaqué. Donc c'est là où est le problème. Le problème est là, est là. Ils ont compris. Vous avez utilisé le nom de ma Samadeba pour embrouiller les gens du sud. Bague Douki la Kou, non? Bague de pouvoir à Baou. Nakinima. Y a battu le poule. Et pas que la gestion là, que Nakinima est mon coco. Et bah, autant que vous vendez, autant que vous cuisez le pouvoir. Bah, vous savez bien le double jeu. Regardez même le souba. Le souba n'est pas un saint. C'est pas parce qu'il vous a parlé de petit-fils. Il vous a parlé de quoi? Il a fait quoi, le souba? Hein? Le Souba, il a construit quoi là? Les Aubervillois, les Mamba de guerre, hein? Des histoires de Baga Toutagaba dans le mortier. C'est ça les histoires que vous avez. Quel souvenir que vous avez de le Souba? À part des discours, nous allons faire le Congo comme une petite Suisse. Il a fait le Congo comme une petite Suisse. Non mais sérieux, il faut dire des choses. Le Souba n'a pas été aussi qu'une personne, je ne vois pas moi de mon... Je ne sais pas. Dans cette histoire, après Sassou... le premier Sassou, la personne qui a touché le Congo, qui a mis le Congo dans l'intero, qui a donné le sourire aux Congolais, c'est Milongo. C'est Milongo. Après tout le monde, là, c'est la tristesse. C'est de la tristesse. Qui va dire mieux là? Qui va dire mieux? Personne. Venez me dire encore des choses. Moi, je me rappelle très bien à cette époque-là, Milongo, un petit donc, 3 mois, 4 mois, tout d'un coup comme ça, pas,
quand tu rentres dans le marché, tu vois le marché vraiment. Ma maman, vous en. Le vieux d'or, il sort donc l'argent de poche. Oh, on te donne l'argent de poche, tu vas l'acheter des baskets, tout. Donc, la vie a changé. Et vous venez de parler, le professeur Lissouba, le professeur. Mais alors, le professeur Lissouba lui-même, il a dit, il savait pourquoi il a reconnu le poule. Hein? Pourquoi? Et des gens là, c'est le même fonctionnement qu'ils ont de faire. Et aujourd'hui, vous êtes les premiers à vouloir gober des choses comme ça. Et après, on vous dit la vérité. Non, c'est le tribal. Ils sont les tribal. Ils sont pas les tribal. Moi, je vous l'avais déjà dit. Les 50-50 là, c'est la vérité que je vous ai dit. Oh, tata mou bembe, tata mou. Mère l'un kota kago. Walu telaga, mère l'un kota kago. On doit vous dire la vérité. Quand vous voyez le petit David là, qui s'appelle Donald. Oh, l'homme de Mbaji. Oh l'homme de Mounambaji, oh l'homme de Mounambaji, je te dis, le 18, tu ne veux pas aller dégager Sassou, tu n'es pas l'homme de demain, arrête de venir nous casser les couilles avec l'homme de demain. Comme vous voyez, il est vraiment tribal, ce Donald là. Il est de ce côté de ma bembe, arrêtez, lui c'est le vrai tribal, écoutez très bien. Vous pensez qu'il est de ce côté de ma lare, quoi, Dieu m'a même ou lare, écoutez hein. Arrêtez d'être de Fanakwichi, hein. Arrêtez d'être de Fanakwichi, s'il vous plaît. Les buzz, c'est bien beau. Suivez des gens par rapport à ce qu'ils disent, ah, parce qu'ils ont c'est des comédiens, aimez-les de leur façon. Mais quand il s'agit de l'histoire du pays, il faut bien réfléchir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des gens qui sont là, comme on dit, ou à sont baignés sans les mots. Il ne viendra pas vous dire des vérités qu'on vous dit là. Yandi wa ina rando kote batata andi. C'est la politique. C'est la politique, mais il est de ce côté de son père, soit disant son père, il est de la Bouenza là-bas, ou de le Niari, ou de le je sais pas quoi là. Je ne sais pas de ce côté-là, comment il y a beaucoup de trucs là-bas. Le Niari, le Kuala, je sais pas, le Nibolon, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc voilà. Donc, à réfléchir, ce qui sort de la bouche de Noir de Cause, c'est le mot cri d'amour. Je vous le dis, je ne suis pas, quoi que ce soit, un problème avec quelqu'un. Moi, je ne fais que dire la vérité. Je ne fais que dire la vérité et Donald vient démentir. Toi, tu es un grand tribal, je te le dis. Tu as choisi ton clan parce que vous, les 50-50, vous êtes comme ça. Voilà, tu as choisi ton clan, tu es de clan Kamboa Tatagou, Kamboa Tatagou. Moula gadi moad mou ko kote kuna kina. Et quand vous venez chercher les gens qui ont dans l'esprit du village, faut bien le chercher. Faut bien le chercher. Parce que vous pensez Bibaba, Congo, Bibanzaka, Beneno. Or tu m'as yungongi kwa lugo benetiniki. Voilà. Tu sais, moi aujourd'hui je peux avoir l'esprit de vous dire cette vérité-là, mais vérité, on doit insérer là. Donc ne dites pas que je ne connais rien, je ne sais rien. Je sais vous dire que la vérité. Ne pensez pas que non, cette vérité que je vais vous dire, je veux m'en servir de cette vérité-là. Écoutez ce que je vous dis. C'est tout. Écoutez ce que je vous dis. Donc, si nous sommes nous tels, vrai tribal, comme vous voyez, avec les mapingou là. Comme vous voulez écouter des gens que vous faites les loisirs de Nsayengong, restez comme ça. Restez. Bon, je vous dis à bon entendeur, je vous dis vraiment salut. Le Noir de Cause vous a dit les choses qui sortent ici, là, dans le cœur. Hein? Les mots crus d'amour. Voilà. Si vous allez écouter, écoutez. Écoutez, prenez-la bien, hein? Conservez certaines choses que je vous ai dit ici. Voilà, conservez. Et vous pensez à peu près de Kanda, vous trouvez le carré là. C'est notre très attention. Bandou Bobo,
Bon, s'il s'agit demain de continuer, je vais continuer parce que moi, copain, ça va quoi. Ciao, ciao.